Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Krone et aujourd'hui nous allons jouer sur Portal Knights. J'espère que ce jeu vous plaira. En tout cas, moi, il m'a l'air de me plaire. J'ai jamais testé encore, mais j'ai vu des vidéos. Et franchement, c'est un petit mélange de Minecraft. Donc, en gros, la planète s'est éclatée en plusieurs morceaux et il va falloir reconstituer cette planète. Donc, il y aura un tas d'ennemis et apparemment, les décors sont juste sublimes. Il y aura beaucoup de craft et de choses comme ça à faire, donc ça va être le top. Bon, c'est un accès anticipé, mais ça, franchement, c'est pas grave. Donc, nous allons commencer, nous allons déjà voir les options de jeu. On va mettre les paramètres audio. On va descendre juste un peu le volume. Donc, moi, au niveau des paramètres d'affichage, je me suis mis au taquet. Bon, je pourrais mettre x8, mais je le mets pas. Je me suis mis au taquet pour avoir les meilleures résolutions. L'option de saisie, on va laisser normal. Et on va faire le didacticiel, forcément, vu que j'y ai jamais joué, même pas testé une seconde. Donc, on va commencer, on va faire un nouveau personnage, on va prendre un garçon. Et nous allons lire ce que c'est. Donc ça, ce sont le choix. Donc il y a guerrier, rôdeur et mage. Donc guerrier. Le guerrier est spécialisé dans le combat de mêlée. Il manie de redoutables épées et de puissantes haches pour défaire ses ennemis. Le guerrier pousse de grands cris pour renforcer ses équipiers ou affaiblir ses adversaires. La force est l'attribut principal du guerrier. Elle augmente ses points de santé ainsi que ses dégâts de mêlée. Le rôdeur. Le rôdeur utilise son arc pour venir à bout de ses ennemis à distance. Il peut également se servir de bombes pour détruire à la fois les ennemis et les blocs. L'agilité est l'attribut principal du rôdeur. Elle augmente sa vitesse de déplacement ainsi que ses dégâts à distance. C'est plutôt pas mal de pouvoir utiliser un arc parce que c'est vrai qu'au moins on peut les shooter à distance sans faire du corps à corps. C'est pas plus mal. Et ça, bien sûr, le mage qui restera toujours mon préféré parce que j'adore la magie. Donc le mage lance des sorts destructeurs pour venir à bout de ses ennemis. Il peut se défendre au corps à corps et à distance avec des faux ou des sceptres magiques. L'intelligence est l'attribut principal du mage. Elle augmente ses points de mana ainsi que les dégâts de ses sorts. Ok, ben nous allons prendre lui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça raconte ça? Des cheveux. On va essayer de trouver la même coupe que moi. Non, non, non. Ouais, j'aime bien cette coupe-là, moi. On va lui prendre cette coupe. La barbe, ouais. Mais peut-être pas comme ça, juste une barbe mal rasée, c'est plutôt pas mal. Ah bah y'en a pas. Hein. On lui met une moustache ou pas? Non, on va se mettre comme ça, allez. Voilà. Ça c'est quoi? C'est la couleur des cheveux, ça. D'accord. Ah, elle est classe, on peut mettre des couleurs. Bon, je voudrais pas être blond en fait, j'ai pas envie d'être blond. Mais ça, c'est un bleu, ça en fait, c'est pas un noir. Hein. C'est un genre de bleu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Blanc, ça fait vieil homme. Rouge. Non, allez, on va mettre noir, mais je trouve que. Je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec les couleurs de cheveux donc. Les oreilles! Ça, c'est la couleur de peau, je suppose. Oui, bon, on va se prendre une peau rosâtre, plutôt un peu. Ouais, plutôt comme ça, elle est plutôt pas mal cette peau. Les oreilles, on les voit pas de toute manière donc. Ouais, bon, on va laisser les oreilles normales. Ensuite, forme des yeux. Agressif. Attendez, faut que je change la coupe de cheveux, j'ai du mal à voir sinon. Ça fait penser un peu à des Mii aussi. Ça fait du mélange de tout en fait. Hein. Oh le peureux. Oh mais c'est des yeux de femme ça. Il y a... Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je sais pas quoi prendre, hein. C'est pas facile de choisir ce qu'on veut. Allez, on va prendre ça. Ouais, comme ça c'est classe. La bouche. Allez, un petit sourire mesquin comme ça, c'est plutôt pas mal, non? On va voir ce qu'il y a d'autre. Ah, le truc c'est qu'à mon avis, si on choisit un sourire, il va rester comme il est, donc Oh, que tu es joli comme ça. On va plutôt prendre celui-là, ouais. Ouais, c'est le petit sourire en coin là, c'est pas mal. La coupe, on va se reprendre la coupe. Hop, voilà, c'est classe comme ça.
La bouche c'est bon, l'œil c'est bon, ça et ça c'est quoi ça? La voix. Ouais, plus grave comme ça. Ok, donc ce sont des enfants qui l'ont fait le jeu, hein. Alors, ben je m'appelle. Oh merde, j'ai fait quoi là? Ben Krone, hein, bien sûr. Hop là, Krone niveau 1 majeur. Alors on peut jouer en ligne. Local. Les amis peuvent me rejoindre et jouer seul. Ben on va commencer. Je sais pas, seul, ami ou local. Je sais pas vraiment en fait. Je vais plutôt mettre en ami, comme ça si les gens veulent n'importe qui dans le réseau local. Non, on va mettre en ami, déjà pour commencer. Je vois qu'il y a ça. Ah d'accord, on peut créer plusieurs personnages. Bah, je créerai aussi alors un univers. Nouvel univers, j'en sais un moi. Attendez voir. Attendez, là, on va faire rejoindre. Ah. Ok. On va faire. Bah, on va faire. Bah, merde alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je veux pas rejoindre parce que sinon, après. Non, on va faire ça, comme ça les amis peuvent rejoindre. On fait démarrer. Bon, bah, on va mettre un nouveau univers. Bon, bah, on va prendre celui-là. Nom de l'univers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Artefact. Planète. Allez, on fait comme ça, artefact planète, on s'en fout, c'est juste... voilà quoi. Je sais pas quoi donner comme nom. Alors, ça commence. Il fut un temps oublié aujourd'hui, où le monde était un et en paix. Était un et en paix, d'accord? Mais vint la fracture qui brisa l'unité du monde. Les portails anciens sont désormais le seul lien entre les différentes terres. Et David, créature florissant dans les ténèbres, en garde l'accès. Donc, diverses créatures, David, créature, quoi. Le monde a besoin de héros capables de faire resplendir à nouveau la lumière des portails et de redonner au monde l'unité et la paix. Let's go, c'est parti, j'ai trop hâte d'y jouer là. Ouais! Colline paisible, niveau 1. Ouah, qu'est-ce que... Mais comme c'est trop magnifique! Alors, se déplacer, tac, tac, tac. Ah, bah, il est déjà en AZERTY, le clavier. En plus, c'est du français. C'est cool, hein. Donc, sur Steam, vous l'avez en plus. Il est en toutes les langues, quasi, hein. Utilisez la barre espace pour sauter. C'est fait. Ouvrez le sac à dos en appuyant sur B. Ok. Voilà. Appuyez sur le bouton central de la souris pour passer en mode caméra. Oh, à la Minecraft, comme ça, c'est 10 fois mieux, je trouve. Appuyez à nouveau sur le bouton central de la souris pour repasser au mode précédent. Attaquez. Un ennemi avec votre arme en utilisant le bouton de la souris gauche. Alors, un ennemi. Est-ce que c'est un ennemi ce truc là? Ah, il faut le viser d'abord. Ok, d'accord. On doit d'abord le viser. Cliquez sur l'ennemi. Alors, cliquez sur les ennemis pour le verrouiller. Une fois un ennemi verrouillé, appuyez sur la barre espace en direction pour l'esquiver. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est bien ça. Ah, je suis trop petit. Ah mince. Putain, c'est vraiment très beau, hein. Ah, j'adore. Voilà. Alors, terrasser 3 ennemis. Il en manque un. On peut récolter des fruits et des trucs comme ça. Et je sens qu'on va faire vraiment une belle aventure sur ce jeu, je vous le garantis, parce que là c'est vraiment... Je suis vraiment sous le charme là. Hein. Récupérer 2 éclats de portail. Ok. C'est où ça? C'est quoi déjà un éclat de portail? Il y a un portail qui est là quelque part? C'est pas que, mais il me tabasse aussi. Hein. Donc j'ai récupéré une baie.
Et terminer les quêtes restantes, une sur trois, d'accord, bon bah. Mais si on ne peut pas monter sur le portail, comment on fait pour passer à... Ah, j'ai récupéré un... Ah d'accord, c'est les méchants qui ont ça. Il faut qu'on répare ce portail. Oh les gens, j'espère que vous kiffez. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas à me dire de faire des épisodes. J'en ferai tout un tas, il n'y a pas de souci. En plus, comme c'est un Minecraft et qu'on peut jouer en multi, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir construire nos châteaux. On va pouvoir faire du multijoueur contre d'autres joueurs et tout. Donc, je veux dire, bon, c'est logique, du multijoueur contre d'autres joueurs. Mais qu'est-ce que je suis con. On va pouvoir faire ben, comme du Minecraft, quoi. Mais sauf que là, c'est vraiment relativement mille fois plus beau. Mille fois plus beau, c'est pas des conneries. Alors... Confectionner deux pierres bleues du portail. Alors, on peut scroller aussi, pareil. Et comment on le pose? Alors, je sais pas encore comment ça... Il faut qu'on les fabrique, d'accord. Bon, bah... Les champignons et tout sont super bien faits. Donc là, apparemment, ça a l'air d'être ma baraque. Bon, elle fait un peu la gueule, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Colline paisible, plantation de coton. À la ferme de coton, les chevaliers du portail fabriquent eux-mêmes leur armure et vêtements. Ok, d'accord, bah c'est cool. Alors, moi, ça va nous permettre d'apprendre à faire tout ça. Donc, il y a plein de trucs pétés, là. Comment... Qu'est-ce qu'il faut faire? Réparer l'établi. Ah, d'accord. Il me faut du bois. Ah. Oh, les créateurs de ce jeu, je vous aime. Vous avez fait un nouveau Minecraft, punaise, je suis trop content. Alors, ah, on peut casser le bois comme ça, d'accord. Avec le... Ça fait un peu mal aux mains, j'ai des ampoules maintenant. Donc, normalement, on a assez de bois pour pouvoir le faire. On va passer à la première personne, moi je trouve que c'est mieux, ça fait vraiment du Minecraft. Ah, ok, d'accord, donc attendez voir. Requis 4? J'en ai combien? Ah, merde, il m'en manque un encore. Je pense que vous avez pas la gerbe hein, quand je joue, de toute façon, vous avez l'habitude. De voir les gens jouer à Minecraft donc. Par contre je voudrais pas casser tous les arbres autour là parce que. Voilà c'est joli les arbres. Alors on va pouvoir réparer. Trop de la balle. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ah ok. Ok d'accord. Donc on va pouvoir. Alors attendez, on va quand même voir ce que c'est tout ça. Pierre bleue de portail. Ah bah voilà. On en a fait qu'une. Ou on a fait les deux, j'en sais rien. On peut fabriquer un lit, un tabouret, une porte, une palissade, un cadre de fenêtre en bois, œuf de pack doré. Oh cool. Enclume, il faut quoi? Minerai. Ah du cuivre, on peut chercher. Donc ça veut dire qu'on peut miner. Fourneau. Ah ouais, cool. Un hostel pour l'enchantement sûrement. Ouais. Ah super. Une pioche et une pierre à aiguiser. Donc il faut de la pierre. Et là on peut faire robe de l'apprenti. Tissu en coton. Ok, d'accord. Donc ça, on, pour l'instant, on peut pas. Ah, c'est super. C'est vraiment super. C'est bien fait en plus. Et franchement, ça rigole pas, là. Hein. Ça, c'est quoi, ça? Cap de... Ok. On peut se les attribuer ou pas? Ok, ouais. Comme ça, peut-être. Ah, attendez voir. Si je mets ça là. Et ça là. Et qu'on va là. Ah, merde. Je ne sais pas comment on fait ça. Il y a un... Attendez voir. Il y a un... Ça, c'est les niveaux. Talent. Il y a les talents. Mangeur de pierre. Élégance dans l'extraction. Connaissance royale. Flux de mana. Pouvoir élémentaire. Tour de passe-passe. Maîtrise élémentaire. Sorcellerie. Châtiment. Ah ouais, il y a quand même pas mal de niveaux. J'espère qu'ils les augmenteront par la suite. Parce que vous savez qu'on monte très très vite dans ce genre de jeu. Donc robe de l'apprenti, ça il va falloir s'en faire. Bon bah écoutez, on va déjà... Ah, et si j'appuie sur eux, c'est quoi? C'est un raccourci. On va déjà se mettre ça, je sais pas moi... Ici. Ouais, voilà. Et ça? Ouais, ça on... Donc alors attendez, il me fallait quelque chose, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment on fait pour ouvrir... son inventaire.
Alors, ah! Là, nous avons toute la planète. Ouais, bah, effectivement, elle est dans un sale état, hein. Il y aura pas mal de choses à faire, mais je pense que là, par la suite, ils vont quand même rajouter plein de choses, puisqu'il est en accès anticipé. Donc, il y aura de quoi faire. Et puis, voilà. Et ça, c'est quoi, ça? Je dois faire quoi avec tout ça? Je dois sûrement mettre ces habits sur moi. Mais comment? Alors, et vous savez quoi? On va réparer ceci aussi, si on peut, non? Non, on va le casser, parce que je sais pas si on peut l'avoir. Voilà. Il faudrait peut-être autre chose que ça, quoi. Ah, mais je le repose! Ok. Bon, tout ce qui est pété, hein, on va l'enlever, hein. Tant qu'à faire. Là, il y a quoi là-dedans? Ok, donc on va poser des blocs. Alors comment ça fonctionne pour poser des blocs? Ben un clic gauche en fait. Faites un clic gauche juste. Voilà. Ok, bon on va chercher du bois. Ah mais du coton. Il y en a là. Attendez voir, il faut fabriquer sûrement un truc pour ça. Tissu en coton, il me faut ceci. Et comment on récupère ça? Cheminée, torche, ok. Est-ce que ça me donne du coton au moins? Comment j'ouvre mon inventaire? Je sais plus maintenant. Ah, c'est ballot ça. Ah oui, c'est B, c'est vrai. Bah voilà. Ah bah non, c'est pas B, non. Les gens! Ah bah c'est tout simplement ça, comme ça, voilà. Bon, moi je veux quand même récupérer ceci. Ah ouais, d'accord. Faudra en replanter quand même. J'entends des bestioles là autour. Alors. Ah oui. Il y a des bestioles un peu partout, hein, faut faire gaffe. Confection. Robe d'apprenti. Il faut se mettre sur la table de craft. D'accord. Robe d'apprenti. Hop. Ben alors. Alors, il me faut autre chose. Faut d'abord que je crée ceci, je pense. Non. Non. Comment ça, comment on fabrique ça? Ah, voilà. Il y a un souci. Ah, en fait, j'avais un truc déjà en main. Donc du coup, ben, ah, il m'en manque un encore. Maintenant, je sais plus où c'est. Ah, ben, dis donc. Non, c'est pas là. Voilà. Ben merde alors, j'en ai trois. Ah. D'accord. Faut encore que j'en fasse. C'est pas évident. On va récupérer. Donc attendez voir. Parce que là en fait il... ça, voilà. Il faut ramasser ce qu'on a sur nous. Ça par contre j'ai trouvé ça. Je trouve ça un peu un peu spécial quand même, hein. Parce que le truc, c'est comment on se l'attribue. C'est ça le truc, comment on se le met sur soi là. J'ai pas trop bien compris ça. Graines d'arbre émeraude. On va essayer de poser des graines. Alors là, est-ce que ça m'a mis quelque chose? Non, d'accord. Bon, bah on va réussir à trouver. Ça, c'est quoi ça? Graines de. Ah, c'est du blé qui pousse là. Ok. On va poser ceci ici. Voilà. Et on va récupérer. On va semer du blé aussi. Parce que je pense qu'il va falloir manger. Ma baguette a une durée de vie, vous pouvez le constater aussi, apparemment.
Ah d'accord, on peut aussi mettre des coups. Il me reste toi. Équipez votre nouvelle robe d'apprenti. Mais comment ça fonctionne? Ok, vous avez juste à cliquer là-dessus, en fait, d'accord. La carte. Waouh. Bon, il me manque encore des choses. Il va falloir que j'aille chercher. Faites voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est joli comme ça, d'accord. Donc, on a trouvé le système. Un peu complexe, quand même, j'ai trouvé. Donc, du coton, il y en a. Hein. Ça, c'est cool. Il y en a. On peut ramasser des fruits aussi. Alors, comme ça, on va peut-être pouvoir manger un peu. Attention pour les bêtes, du coton encore et encore. Ah, ça a repoussé si vite ça. Ah non, c'est moi qui l'ai replanté, je pense. Ah, je n'ai plus. Ah, d'accord, en fait, j'ai utilisé cette attaque. Faut faire attention, pareil. Quand on utilise, parce qu'en fait, si on est sur une sélection, il faut vraiment se mettre sur la baguette magique pour pouvoir utiliser la baguette magique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et là, par contre, il y a une petite aile de château, là. Ça, on va pouvoir aussi se le faire. Ça, j'avais pas vu, par contre. On va voir qu'est-ce que ça raconte. Alors, ancienne mine. Une pioche permet d'extraire le minerai plus rapidement. Ah ouais! Ah, c'est bien foutu, quoi, les gens. C'est vraiment bien foutu. En tout cas, magnifique le jeu. N'hésitez pas, franchement, à me dire si vous voulez que je continue ces épisodes. En tout cas, même même si cela ne vous plaît pas, je le ferai pour moi-même. Parce que, franchement, là, je suis tombé amoureux du jeu. Même si je ne l'aimais pas en ligne, c'est pas grave. Mais moi, j'ai joué, ça, c'est sûr. Là, je vais pas vous emmerder avec ce jeu. Ah, désolé pour le bruit. Je vais pas vous embêter non plus avec ce jeu si ça vous plaît pas. Mais franchement, je serais vraiment heureux de pouvoir jouer à ce jeu et vous faire des épisodes là-dessus, parce que là, ça en vaut vraiment la peine. De tous les jeux que j'ai joués, surtout des Minecraft, ça en vaut la peine. Donc, je pense que je vais passer pas mal d'heures là-dessus. Et je pense que, j'espère que j'aurai des potes qui joueront avec moi, tout simplement. Parce que ça me ferait vraiment plaisir de jouer. Ah, tiens. Terminé les quêtes restantes, il me reste quoi? Déjà, je voudrais bien retourner à ma maison, je sais plus où elle est. Ah, elle est juste là, c'est vrai. Alors, attendez voir. On va terminer notre robe, et puis je vous laisserai alors sur cet épisode-là. J'ai le temps de vous le mettre en ligne. Donc, on va faire du tissu. Voilà, on en a 3. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Donc, on va déjà récupérer ça. Gants d'apprenti, oui. On va faire ça. Et le pantalon. On a tout juste pile poil, je pense. Voilà. Éclaireur, jambière d'écuyer, d'accord, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis un mage, donc ça va être plutôt ceci. On va se mettre là. Hop. Ah merde, ça, j'ai pas fait de godasse. Ça, par contre, c'est ballot. Ben non, les jambes, j'en ai mis. Je comprends pas trop, là. Je vais pas garder ce pantalon tout pourri. Ah, je l'ai pas récupéré. Sorry, excusez-moi. Voilà, là, je ressemble à quelque chose. Je suis un vrai, là.
C'est super, super, c'est super. La qualité est exceptionnelle. Alors je vous conseille de jouer en 2500 par je sais pas combien là, je sais plus combien, et de vous mettre en 4 fois, bon si votre carte le permet. J'ai pas une énorme carte, et pourtant voilà, je joue quasiment tous les jeux assez au taquet. Mais là franchement, c'est juste ma... Je suis admiratif devant ça là. Colline paisible, zone d'atterrissage. Les braves chevaliers du portail utilisent les portails pour se rendre dans les contrées éloignées. Les chevaliers tombés au combat réapparaissent sur la zone d'atterrissage. D'accord. Ok, donc quand on meurt, hop là, on revient là. Bon, c'est pas que. Mais je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, sur ce, ciao, ciao.